Bonjour tout le monde et bonne année. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les vœux de 2022, mais écoutez, franchement, je vous souhaite une très très bonne année et on commence bien l'année. On avait déjà une première pile dans notre garage, mais vous le saviez, il y avait un challenge qui était en cours. Attention, il y avait un championnat qui était en cours. Et là, si vous regardez bien du côté du championnat, eh bien vous allez voir que le total de cadeaux envoyés est miraculeusement complet. On avait eu la tenue de Père Noël et effectivement, la voiture mystère était bien la pile P50. La pile P50, la voici, elle est là. Alors attention, pour récupérer cette voiture, très important, vous allez dans votre centre de messages. Vraiment, faites pas de conneries. Surtout, faites pas de conneries. Allez là-dedans. Vous allez voir dans vos cadeaux. Et là, vous voyez, voiture reçue. Vous avez reçu une 1962 pile P50. Vous la téléchargez. Surtout, ne supprimez pas le message. Par pitié, vous téléchargez le message. Et ça vous permet comme ça d'avoir une nouvelle voiture. On va vérifier ça tout de suite. Si elle est bien là, si elle est bien présente. La voici. La voilà, la voiture légendaire pile P50. Bon, quelque chose me dit que on risque de faire quand même pas mal de conneries dans les prochains lives avec cette voiture. J'en suis absolument persuadé. En plus, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, vous avez pas mal de distinctions qui sont liées à cette voiture ou du moins à la marque pile. Donc n'oubliez pas également d'aller faire un tour dans les distinctions. C'est important. Vous allez dans un monde en perpétuel changement. Et là, vous avez plusieurs choses que vous pouvez ou que vous devez réaliser avec une pile P50 ou Trident. C'est à vous de choisir. En tout cas, il y a pas mal de voitures qu'il faut essayer de collectionner. Il y en a une liste assez complète qu'il faut essayer de faire. Il y a différentes choses. Je vous laisse regarder tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Le SAV Forza Horizon est en live sur Twitch quasiment tous les soirs. Et je vous ai d'ailleurs préparé un petit réglage, n'hésitez pas à aller le récupérer, parce que très clairement, d'origine, ça risque d'être un petit peu compliqué pour aller faire des points de prouesse dans le stade qui est complètement gelé. Donc ce sera plus sympathique et plus pratique et plus rapide de le faire avec ce réglage. Allez, portez-vous bien et encore une fois, très très bonne année à tous.